en pleine forme. Merci. Thank you.
J'ignore qui vous êtes, mais vous tirez sur les séparatistes, ça me suffit. Baissez la tête et écoutez-moi. Il y a une heure, on nous a informé que les séparatistes devaient rencontrer les chefs d'un groupe dissident de l'autre côté de la République. Le cauchemar de Duros, ça vous dit quelque chose ? Le commandement a supposé qu'ils se réuniraient à Manette Point et a envoyé toutes les équipes là-bas. Mais il s'avère que la rencontre a lieu ici et maintenant. Le temps que vos hommes arrivent, ils seront partis depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. On dirait que vous allez dans cette direction de toute façon. Et je vous promets que vous ne le regretterez pas. D'après nos renseignements, il y a un ordinateur à la base, avec une liste de toutes les missions de sécurité. Ces chefs doivent être sur cette liste. Trouvez cet ordinateur, prenez la liste des chefs en visite et traquez-les. Ces hommes ont le sang de millions de personnes sur les mains. Je vais vous ramener ces terribles agitateurs. Je pourrais même vous ramener des travaux de protestation mal écrits. L'ordinateur sera surveillé par des techniciens impliqués. Faites attention aux droïdes de patrouille. Bonne chance.
forme. Réserve.
Ça va mieux ?
vermine criminelle. Tu as l'audace d'attaquer ma forteresse et de massacrer mes courageux frères d'armes. Ton copain Skavak m'a volé mon cargo. Je veux le récupérer. Il n'y a pas de vaisseau pour toi ici. C'est la mort qui t'attend. Je te déclare coupable de crimes contre le peuple primé d'Ordementel. La sentence est la mort. Retiens bien nos visages, pourriture. Car c'est nous qui allons t'exécuter. Tu as un dernier mot à dire, dégénéré ? Ce ne seront pas mes derniers mots. Au nom de la justice ! Je mens. Pitié, je veux pas mourir. Je sais pourquoi vous êtes là, et vous perdez votre temps. Je suis là pour Skavak et pour mon vaisseau. Ils sont où ? Ça fait longtemps que Skavak est parti. Plusieurs heures au moins. Darek a eu tort de vous affronter. Il a envoyé tout le monde à la mort, au lieu de vous dire la vérité. Skavak est venu nous livrer des armes il y a quelques heures, mais c'était pour mieux nous tromper. Et il s'est fait passer pour l'un des nôtres afin de dérober un ancien droïde de Darek. Skavak est venu là pour voler un droïde ? Un vieux tas de ferraille qui est dans la famille de Darek depuis des générations. C'était un vieux droïde, pratiquement hors d'usage. Mais Skavak s'en est emparé comme si c'était un trésor, et il s'est enfui. Il est parti avec votre vaisseau. Je sais pas vers où, mais je sais qu'il peut vous le dire. Skavak connaît une fille à Fort Garnic, une certaine Syrina. Tu veux dire que Syrina est avec Skavak ? Depuis longtemps, d'après ce qu'on raconte. Ils arnaquent Vidou depuis le début. C'est Syrina qui nous a prévenus de votre arrivée. Si vous voulez retrouver Skavak, c'est Syrina qui pourra vous renseigner. Pitié, laissez-moi partir ! J'ai une famille qui m'attend. S'il vous plaît. Ce sont des ordures de séparatistes qui ont tué ma famille. Je me suis juré de les exterminer jusqu'au dernier. Je suis là que depuis quelques mois. J'ai tué aucune famille. J'obéis aux ordres, c'est tout. Alors meurs, c'est un ordre. Arrête ça tout de suite, Corso. Capitaine, il faut que je le fasse. Je peux pas le laisser repartir comme si c'était jamais rien passé. Il pourra se rendre utile s'il change de camp. Pitié, je vous jure que je servirai plus jamais quelqu'un comme Darek. Je veux rentrer m'occuper de ma famille. Dégage avant que je change d'avis. Merci. Allez, capitaine. Faut qu'on aille s'expliquer avec Syrina.
J'arrive pas à croire que t'aies tué Vidou, chérie. Alors quoi, il t'a surprise avec les séparatistes? Il allait m'envoyer chez Rogun le boucher. Je devais le tuer. Et puis comme ça, on peut enfin être ensemble. Ouais, mais en fait, ma soute est pleine et j'ai beaucoup de boulot. Je t'appellerai un de ces jours, c'est promis. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as promis de m'emmener loin d'ici. J'ai tout fait pour toi, Skavak. Tu l'as fait pour l'argent, et moi aussi. La seule différence, c'est que tu seras pas payé. Allez, à bientôt, ma jolie. Capitaine, je vous ai pas vu arriver. C'est merveilleux, vous êtes vivante. Vous êtes là depuis longtemps? J'ai tout entendu, Cyrina. Dans ce cas, c'est inutile de vous mentir. Skavak s'est servi de moi. C'est un pro du mensonge. Il pourrait voler l'armure d'un Mandalorien rien que par la flatterie. Les chasseurs de primes de Rogun le boucher doivent être en route. Il faut qu'on file avant qu'ils arrivent. Skavak a emmené votre vaisseau et les armes sur Coruscant. Si vous y allez maintenant, il saura pas que vous venez pour lui. Comment je fais pour aller sur Coruscant sans vaisseau? Vous n'avez pas besoin de votre propre vaisseau pour quitter Horde Mantel. Plus maintenant. Grâce à vous, les séparatistes s'en vont de l'île et la République vient tout juste de rouvrir le port stellaire. Je vous donne un passe-navette pour Coruscant si vous me laissez partir. Marché conclu? Du moment que ça me permet de ficher le camp d'ici. Bien. Je vais pas traîner en route. J'aimerais dire que c'était un plaisir, mais je déteste les mensonges. Quand vous trouverez Skavak, lui faites pas de mal. C'est un imposteur, mais je voudrais quand même le revoir un jour. Je suis content que ça se soit terminé dans le calme. Je suis pas de ceux qui font du mal aux femmes. J'ai pas l'impression que ça te dérange de faire du mal aux autres. Pourquoi les femmes ? On m'a appris à saluer les dames et à leur tenir la porte, pas à les tuer. Vous pensez sûrement que je suis qu'un pauvre abruti, hein? Que j'ai la tête pleine d'idées démodées? T'as encore beaucoup de choses à apprendre sur les femmes, Corso. Ça fait aucun doute. Pardonnez-moi si je suis allé trop loin, capitaine. Pauvre vieux Vidou. J'aimerais qu'ils sachent ce qu'on a fait. Ça leur aurait fait sourire. C'est pas une bonne idée de rester dans les parages, capitaine. J'ai cru Cyrina quand elle parlait des chasseurs de primes qui arrivent. On ne sait pas non plus combien de temps Skavak restera sur Coruscant. On n'a qu'à prendre une navette et l'attraper tant qu'on peut le faire. Tu as l'intention de venir avec moi? Vous vous en sortirez pas comme ça, capitaine. Et puis je dois encore sauver mon torchis. Vidou m'a laissé quelques affaires. Je pense qu'il aurait voulu que je les partage avec vous. Direction le port stellaire. On aura quitté cette planète en moins de temps qu'il faut pour le dire. Thank you.